vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va faire les cartes de vœux, les back to school, les lookbooks, les hauls, etc. Ce ne sera pas pour maintenant, puisque, eh bien, je n'ai pas encore tout prévu. Donc, on va commencer par le matériel des cartes de vœux. D'habitude, quand on rencontre des cartes de vœux, il y a beaucoup de motifs dessus, donc des Pères Noël déjà dessinés, enfin des choses comme ça. Donc nous, on va les faire soi-même, donc à l'aide d'une feuille de couleur. Donc moi, il ne me restait plus que celle-ci, donc elle est un peu couleur kaki. On aura besoin d'un... On aura besoin d'un feutre noir. Et alors je sais pas trop ce que c'est, enfin, si je sais ce que c'est, mais je sais pas où on les a achetés. Donc c'est des espèces de petites pinces à linge, des petites pinces à linge comme ça, donc c'est trop mignon, il y a des petits motifs dessus, qui sont pas pareils sur chaque épingle. Et donc voilà, on va commencer tout de suite à faire nos cartes. En tout premier, on va plier notre carte de vœux bien sur les points, les sommets. Voilà, plier ça des sommets. Et je plie bien comme ça. Après, je vais, pour que ça soit bien droit, parce que moi je ne sais pas très bien couper avec des ciseaux droits. Donc voilà. Avec une règle, je vais bien couper ma feuille. Donc je regarde la plus belle. C'est celle-ci. Et là, je vais encore la plier en deux. Hop, sur les sommets. Et voici notre carte de vœux. Comme là, ce n'est pas très beau, je vais prendre un ciseau. Ah oui, j'avais oublié dans le matériel, des petits ciseaux crantés pour refaire notre petit truc. Finalement, je n'ai pas découpé parce que, en fait, j'arrivais pas. Donc, du coup, voilà ce que ça me donnait. C'était moche. Du coup, j'ai pris l'autre. Donc, ça va un peu mieux. Et sur le dessus de notre carte, je vais dessiner quelque chose. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, un sapin Noël, des bonhommes de neige. On n'a qu'à faire un petit bonhomme de neige. J'ai peur du résultat. Hop. Donc un bonhomme de neige, je crois que ça a deux ronds. La carotte. Les yeux. On dirait Olaf. Ah, j'ai fait Olaf. Donc, ce petit Olaf, on va le mettre avec un petit sapin de Noël. Donc, un beau petit sapin de Noël. On va mettre des boules de Noël. On va mettre. Ah bah tiens, je vais prendre l'exemple de ce petit sapin. Donc je vais faire un peu ce qu'il y a sur ce sapin-là. Donc, il y a une petite chaussette trop chou. Oula! Faut qu'il ait un petit pied, celui qui porte la chaussette. Hop. Mais regardez-moi ça. Une bonne chaussette, ça, c'est un ver de terre. Encore pire pour l'étoile. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Donc, après, je vais prendre une petite étoile. Donc, laquelle prendre avec la couleur que j'ai?
On va prendre du rouge. Allez, soyons fifou. Mince, je l'ai cassé. Non, je rigole. Alors. Et ça, on va l'accrocher. Soit ici pour fermer donc notre carte de vœux. Ou alors plus au milieu. Hein. Là, par exemple, là, ça ferme vraiment notre carte de vœux. Ou alors sur le côté, ce qui est un peu moins joli, je trouve. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, on va la mettre après. Et là, on va mettre un petit mot. Donc, souvent, dans les petits mots, on a « Je te souhaite... » Comment on écrit « Je souhaite... » »« Je te souhaite... » Ah, voilà. « Une bonne année... » année pour la santé, ça veut absolument rien dire. Je te souhaite une bonne année entre parenthèses santé je sais pas. Bon, vous écrivez ce que vous voulez parce que moi j'ai écrit ça, hein, c'est moche. Voilà, et après vous signez Mathilde. Enfin, vous signez votre nom, hein, vous signez pas Mathilde. Voilà, après la signature. Voili, voilou. Donc, voilà ma carte. Ouh. Mais si vous n'avez pas de petite étoile comme ça, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Ça fait aussi joli. Et vous pouvez rajouter d'autres petites choses que vous avez. Comme, je sais pas, vous avez qu'à être créatif. Ouais, soyez créatif. Bon, cette petite carte de vœux est jolie. J'espère que vous dessinez un peu mieux que moi parce que bon, Olaf là, voilà quoi. Et puis le sapin de Noël... Après, voilà quoi. C'est pas trop ce qui compte. Bon, je vous dis bisous et abonnez-vous.